RTL Matin avec Amandine Bégaud et Thomas Soto. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. C'était dans ces années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode. Elle a fait un bébé toute seule. C'est donc Michael Jones, guitariste, auteur, compositeur, qui est venu célébrer l'anniversaire de Jean-Jacques Goldman dans le studio d'RTL Matin. On est ravis de vous avoir avec nous. Thomas encore plus, il vit sa meilleure vie depuis ce matin, puisqu'on un enfant du Goldman à tue-tête. Michael Jones, vous êtes en tournée avec l'héritage Goldman. Et hier soir, c'était la 100e au Palais des Sports. Non, c'est ce soir. Ah, c'est ce soir. À Tremblay. À la 100e, c'est ce soir. C'était 99e hier. Ah. Et c'était... On l'a fêté après minuit, donc... Ah, bon, c'est presque la 5e, alors. Bon, c'était bien ? Oui, public extraordinaire. Peut-être le meilleur public parisien qu'on a eu. C'est la 4e fois qu'on y va, au Dôme. Et on a fait l'Olympia aussi. Mm. Mais vraiment, un public enthousiaste, c'était super. L'héritage Goldman en public qui sortira en album et en vinyle, ça sera le 22 novembre. Notez-le déjà. Il existe déjà sur les concerts. Ah. Sur les concerts, les gens peuvent acheter l'album, le vinyle, et, parce qu'on est moderne, clé USB. Wow, clé USB. Il n'y a plus de voiture avec le lecteur CD maintenant. Ça, vous n'avez pas tort. Et les clés USB, il y en a de moins en moins aussi. Vous avez 36-15 Goldman. Si, dans la voiture, vous branchez. Ah bon, oui. Peut... Après, on peut le réutiliser, ça, c'est... si ça nous plaît pas. Vous connaissez la voiture, Thomas? C'est un truc avec... Ouais. C'est l'anniversaire de Jean-Jacques Goldman, 73 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez lui offrir? Qu'est-ce qu'on offre à Jean-Jacques Goldman? Rien du tout. Ah, vous êtes fâché? Non, juste bon anniversaire, ça suffit. On arrive à un âge, en tout cas c'est mon opinion, où maintenant les anniversaires c'est plutôt un compte à rebours. Hein. Oh non. Ben si. Ah donc on n'offre rien? Même pas un petit peu de musique, quand la musique est bonne? De l'amour, c'est de tout. De l'amour? Oui, c'est le plus important. C'est d'aimer son prochain, aimer nos amis. Quand la musique est bonne, vous nous feriez quelques notes là ou pas? J'ai trop saigné. J'ai trop saigné de les Gibson. J'ai trop rodé dans les Tobacco Road. Y'a plus que les caisses qui me résonnent. Et quand je me cache, je voyage toujours en fraude. Des champs de coton dans ma mémoire. Trois notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne. C'est le matin. Hein. Ah, c'est pas facile. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec Jean-Jacques Goldman? Oh oui, c'est un grand souvenir. En fait, il faut savoir que j'étais engagé dans le groupe Taifong pour remplacer Jean-Jacques. Parce que Jean-Jacques ne voulait pas partir en tournée parce qu'il avait un travail. Il avait son magasin de sport à Montrouge. Bah, ce n'était pas son magasin de sport, c'était un magasin familial. Où il y avait toute la famille. Et donc, ils ont cherché quelqu'un pour le remplacer. Et donc, ils ont trouvé un gars qui jouait de la guitare comme Jean-Jacques, mais qui ne chantait pas. Et un gars qui chantait comme Jean-Jacques, mais qui ne jouait pas de la guitare. Moi, je ne chantais ni comme Jean-Jacques, et je ne jouais pas la guitare. Mais j'étais le seul qui faisait les deux. Et donc, ils m'ont pris. Ensuite, j'étais engagé dans le groupe. Et il a fallu faire une réunion avec la maison de disque pour enregistrer un album. Et donc, c'était une réunion, sélection de chansons. Chacun amenait ses maquettes, etc. Et c'était un coup de foudre immédiat, musical. Depuis ce jour-là, on est copains. Vous êtes copains, vous ne vous êtes jamais quittés, jamais engueulés? On s'engueulait, tout le monde s'engueule. Ah ouais. À propos de quoi? Ça n'a jamais été vraiment des engueulades, c'est plutôt des désaccords. Voilà. Mais je pense que c'est essentiel dans une relation d'avoir un franc-parler. Jean-Jacques, c'est quand même le mec le plus secret de la planète, le plus discret. Vous avez l'impression de bien le connaître, vous, après toutes ces années, ou pas?
Thomas, il n'est pas plus secret que toi. Ah bon. Non, honnêtement... Non, mais il est moins joignable. Non, honnêtement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit normalement. Ouais. Il ne va pas dans des boîtes à la mode, le restaurant à la mode. Il va à Serre Chevalier au Club Med tous les ans. Mais tais-toi. Moi, je l'ai croisé à Serre Chevalier. Il y va tous les ans. Et il est au milieu des gens. Et c'est vrai qu'en fait, on ne le remarque pas du tout. Heureusement qu'il se trompe et que ce n'est pas Serre Chevalier, mais on dirait. C'était aussi une histoire de comportement. C'est pas réservé. Deuxième quinzaine de juillet. Oh la vache. C'est pas bien de balancer comme ça. Mais vous avez compris qu'il arrête de faire des albums, de chanter, lui. C'est surprenant. Il y a peu d'artistes comme ça. Et en même temps, qu'il soit aussi apprécié. Je rappelais tout à l'heure, ça fait 13 ans qu'il est personnalité préférée des Français. Finalement, les Français aiment un chanteur qui est plus que jamais absent. En fait, ça ne marche pas pour tout le monde. Mais je me rappelle un jour, Jean-Jacques parlait de l'élégance de l'arrêt de Jean Sablon, qui a juste arrêté. Et ça n'a pas fait de fumée, parce qu'il n'y avait pas de feu. En fait, ça nous a tous pris un petit peu par surprise. Sauf que la dernière tournée... Quand j'étais qu'un gamin... Ouais. Mais voilà, c'est-à-dire que les gens lui demandent de revenir. Et, bon, il a 73 ans. Le comme Michel Barnier. Hein. Sauf les politiciens, évidemment, sont à la retraite. Donc, moi, je trouve ça, c'est sa décision. Alors, Michael, on vous connaît évidemment par l'héritage Goldman qui triomphe partout en France depuis des années. On vous a connu avec Frédéric Goldman Jones et on pense à Carole Frédérics, évidemment. Mais le premier contact que j'ai eu avec vous, c'était le duo Je te donne. Oui. Avec Jean-Jacques. Oui, vous avez votre guitare, allez-y. Hein. Bon, c'est du live. Hein. I can give you a voice spread with rhythm and soul from the heart of a Welsh boy who's left his home. Put it in harmony, let the words ring, carry your thoughts in the songs we sing. Allez, Thomas. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Pardon Jean-Jacques. Ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Non, non, non. Je te donne ce que... Ancestral pride, will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, helps me grow on from day to day. Je te donne nos doutes et notre indicible espoir. Les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brunes et l'on parle un peu fort. Et l'humour et l'amour sont nos trésors. Ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais les standards, des gens bien comme il faut. Non, non, non. Jamais. Vous bloquez les paroles, Florian. Et bravo. Florian Gazan, vous aviez une pépite oui. Pour nous que vous aviez dénichée. Oui, j'ai trouvé ça. Vous savez que Jean-Jacques Goldman, avant de réussir en solo, il a quand même un petit peu galéré entre Taifong et il a fait plein de chansons et il a fait du disco. Non. Vous saviez ça, Michael, qu'il a fait des deux titres. Il avait un pseudonyme qui s'appelait Sweet Memories. Ouais. Et il avait fait un compile de chansons en français, en anglais, en allemand. Et il a fait deux titres en disco sous le nom First Prayer, le premier prayer, c'était une référence au gospel. Et ça s'appelait I Fly, c'était en 80, écoutez. C'est lui qui chante. C'est lui qui chante. Ouais. Je suis pas sûr qu'il ait tellement envie qu'on... Si, moi j'aime bien. Je la connaissais pas. Même Michael Jones la connaissait pas. Et ni Thomas Soto. Non, c'est quand même une sacrée performance. Non, mais c'est pas bravo. Mal en plus. Ouais.
Juste avant la pause, est-ce que quelques notes d'une magnifique chanson, née en 17 à Leidenstadt, c'est possible ou pas? Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une fois, d'une case, aurais-je eu la force envers et contre les miens de trahir ton brune main? La pub.